Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. Ménage après les fêtes et ménage avant la rentrée scolaire. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment je range la chambre des enfants et comment je nettoie mes meubles blancs pour garder leur couleur. Moi, c'est Nati, maman de deux enfants. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman, pour partager avec vous les routines ménage, les motivations ménage, les astuces d'organisation et de rangement pour une maman qui veut être zen et avoir du temps pour elle au quotidien. Là, je commence par le lit des enfants. Je vais faire le lit. Ensuite, je vais enlever les poussières. Je vais balayer. Je vais ranger leurs vêtements. Comme vous le constatez, nous sommes en janvier. C'est la saison vraiment sèche chez moi. Il fait très chaud et pendant qu'on fait le ménage, on transpire. C'est lors du montage que j'ai constaté que effectivement j'étais en train de transpirer de partout et surtout avec le poids que j'ai pris pendant la période de fête, j'ai pris 5 kilos. Mais depuis le tournage de cette vidéo, j'ai déjà perdu 1,5 kg, donc je suis plutôt en bonne voie. Et courage à toutes celles-là qui ont pris du poids pendant les fêtes, il faut se motiver pour les perdre. Que j'ai lavé le sol rapidement et j'ai coupé cette partie sur la vidéo parce que la position n'était pas appropriée vu la position de la caméra et de moi qui lavais le sol, donc j'ai coupé cette partie. Je mets donc un drap propre au sol, je sors tous les vêtements des enfants et je recommence à les ranger. Le principe chez moi ici, c'est de mettre les robes sur une rangée, les pulls, les pantalons, les jupes, les collants, les tricots, les démembrés pour l'école, les caleçons, les bavois et les chapeaux, de telle sorte que chaque chose puisse être retrouvée facilement. Thank you.
Je vais ranger comme ça pour la partie d'en haut qui est pour l'une et je ferai pareil pour la partie d'en bas qui est pour l'autre. Donc, après avoir tout plié, voilà le résultat, voilà comment ça se présente. C'est agréable à voir, c'est pratique au quotidien, c'est facile à utilisation. Pendant que je rangeais les vêtements, j'ai directement retiré ce qu'elle devait porter le même jour. Je profite de cette vidéo pour vous montrer ce que j'utilise pour l'hygiène des enfants. Depuis bien longtemps, j'utilise le Mayanga blanc et j'achète dans la boîte. Je verse dans cette autre boîte-là, je ne sais pas si je vais appeler ça le spray, pour que le Mayanga ne se verse pas. Le Mayanga, c'est l'huile de palmiste. Avant de penser à cette astuce, j'avais acheté l'huile de palmiste et un jour après, tout était versé. J'ai donc décidé de mettre dans cette boîte où on ne peut pas verser et on peut juste appuyer et il sort quelques gouttes. Quand je leur mets le Mayanga au corps, ensuite je termine avec l'eau de colonne qui va me permettre de cacher un peu l'odeur du Mayanga parce que l'huile de palmiste c'est pas quelque chose qui a un très bon parfum. C'est une eau de colonne pour cheveux et corps. Une fois que j'ai terminé de les habiller, je vais les faire manger et ce sera l'heure de la sieste pour chacune. La grande, elle se couche sans problème, mais la petite, c'est pas facile. Il faut parfois même l'obliger à dormir. Et quand bien même elle s'endort, je la mets au lit, elle veut juste descendre. Elle veut se réveiller en fait. Du coup, c'est pas facile. C'est pas facile de la faire dormir en journée, mais il faut bien qu'elle dorme en journée. Il faut bien que les enfants aient cette routine-là, même si c'est difficile. Il faut forcer, il faut tenir. Je profite donc de la sieste des enfants pour venir faire rapidement le ménage au salon. Je vais balayer et je vais nettoyer mes chaises comme je vous l'ai dit en introduction dans cette vidéo. La décoration de Noël, je ne les ai pas encore enlevées parce que les enfants m'ont demandé de laisser et moi ça ne me gêne pas de laisser jusqu'en fin janvier. Pour nettoyer mes meubles blancs, je mets un peu de liquide vaisselle dans la boîte avec spray. J'ajoute un peu d'eau. Je spray sur les chaises. Je nettoie. Après, je rince le chiffon dans de l'eau propre et je reviens nettoyer. Je vais faire ça sur toutes les chaises et sur la table. L'autre astuce pour nettoyer les meubles en bois vernis en blanc, c'est d'utiliser le vinaigre blanc. Après avoir dépoussiéré le meuble avec un chiffon, vous utilisez un autre chiffon sur lequel vous mettez quelques gouttes de vinaigre blanc et vous nettoyez avec.
Ceci vous permet de ne pas avoir un meuble en bois blanc qui va prendre une couleur jaunâtre dans le temps. Une fois les meubles nettoyés, vu que l'eau s'est versée sur le sol, je vais donc venir laver mon sol rapidement. Quand je finis donc de laver une première partie, je me lave les mains, toujours laver les mains après avoir lavé le sol pour revenir classer les meubles, classer les coussins ou classer quoi que ce soit. J'ai donc terminé avec la partie salle à manger. Je viens de la même manière laver la partie salon, puis je vais me laver les mains, je viens tout ranger. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner votre avis et vos impressions en commentaire. Je vous souhaite de bien vous porter et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.